bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un nouveau déballage produit. Donc une aile volante de course et de combat de chez Protonic. C'est la Ballistic 600. Donc c'est une aile qui a une envergure de 60 cm qui pèse entre 100 et 140 grammes. Voilà. Donc comme on peut voir, pareil que comme toutes les ailes, c'est livré dans un carton assez fin. On a une image qui correspond au produit. C'est un carton, tout ce qu'il y a de plus classique. Allez. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ouvre. Ah. Alors, la première chose qu'on a, c'est l'aile entièrement montée, vu qu'elle est petite. Déjà sérigraphié, le moteur, le support moteur déjà posé, ainsi que le porte-batterie et deux serflex permettant de tenir le récepteur et le contrôleur. Donc comme on voit, tout est déjà... le travail est un peu mâché, hein. La construction va s'avérer très rapide. Vu qu'elle est déjà au tracoir construit. Donc on a l'aile. Alors ici, hop. Les deux winglets qui vont aller en bout d'aile. Voilà. Qui vont aller comme ça. Voilà, si on peut voir. Donc les deux. L'accastillage pour terminer l'aile. Donc les guignols, des petits morceaux de tige carbone. Et ça c'est la protection qui va en dessous pour la batterie. Voilà. Et pour terminer, la notice en français. Voilà. Donc une notice assez simple. Hein. Comme on peut voir, hein, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour monter l'aile. Hein. Voilà. Et ben écoutez, de toute manière, on testera ça bientôt sur le terrain. Voilà, c'était un déballage de RC Xink. Bon vol à tous et à bientôt.